Est-ce que c'est le serpent? Le moustique n'est pas venu. Oh, le problème, s'il n'est pas venu, non. Parce qu'il me pique et qu'il me transmet le paludisme, je vais tomber malade. Est-ce que ça alors tous les moustiques transmettent le paludisme? On sait tous que c'est la nouvelle femelle. C'est-à-dire que le moustique femelle qui transmet le paludisme. Qu'est-ce qui te prouve que c'était alors le moustique femelle là-bas? Voilà. Toi, tu as eu le temps d'observer si c'était un moustique mâle ou un moustique femelle qui m'a piqué. Est-ce que tu as regardé avant de t'attaquer? Voisin, que ce soit mâle ou femelle, il te pique, tu tombes malade du paludisme et tu meurs. Donc, il m'a piqué, je l'ai tué. Fin du débat. Faut apprendre à analyser. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que quand tu regardes par exemple un moustique, tu pourras déterminer si c'est le mâle ou la femelle. Waza, toi tu sais déterminer, tu sais faire la différence entre un moustique mâle et un moustique femelle, Waza. C'est facile, ça dépend de l'endroit où le moustique te pique. Par exemple, nous sommes les hommes, non? Nous on sait que les hommes aiment boire la bière. Donc par contre, si le moustique te pique à la bouche, ça veut dire que le moustique a humé l'odeur de l'alcool. Ça veut dire que c'est un moustique mâle. Par contre, si ça te pique à la cuisse, tu sais que à la cuisse, c'est là-bas qu'il y a la poche et il y a la jambe. Ça veut dire que c'est un moustique femelle. Donc le moustique qui vient de me piquer la Waza, c'est un moustique mâle ou femelle? Je ne sais pas, mais sauf que là, tu viens de tuer la créature de Dieu. Créature de Dieu qui me pique. Bon, ok, Waza. Entre le moustique que je viens de tuer et moi, tu choisis qui? Non, je choisis le moustique et toi. Parce que quoi? Chacun a sa place. Le moustique vient au monde, ça aussi sa place. Par exemple, toi, tu manges la viande, non? Oui, je mange la viande. Est-ce que la viande t'a déjà mangé? Ouais, Waza, et? C'est le prix à payer. Le moustique te pique pour se nourrir, pour respirer. Parce que c'est Dieu qui a des malades qui se nourrissent à base du sang. Et même s'il te pique, est-ce qu'il va piquer un kilo de sang sur toi? Waza, même une seule goutte de sang pour moi, il doit mourir. Je l'ai tué, point barre. Ça veut dire que tu es un criminel. Je l'ai tué qui? Tu as tué le moustique, une créature de Dieu. Waza. Un moustique qui te pique, qui te transmet le paludisme, tu vas mourir. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que la créature que Dieu a créée vient me piquer pour que moi je meure. Donc moi, je suis la créature de Satan. Tu vois l'endroit où on se trouve, non? Est-ce que tu sais que nous sommes chez eux? Et que c'est nous qui créons les moustiques? Tu sais ça? Que quoi? C'est nous qui créons les moustiques. En quoi faisant? Quand par exemple tu pisses en route, ou bien on jette la poubelle comme on voit ici, ou on verse l'eau sale quelque part, c'est ça qui crée les moustiques. Les moustiques viennent. Et maintenant, en retour, quand ils veulent nous remercier, ils viennent nous piquer. C'est un signe de reconnaissance que voici notre créateur. Voilà, tu pisses dehors? Souvent. Ok. Toi, tu verses aussi souvent l'eau sale dehors. Je me lave, pardon, je ne verse jamais l'eau. Waza, en tant que créateur de moustiques, pardon, pisse dehors, laisse-les se procréer, venir te piquer toi, Waza. Parce que moi, le moustique qui me pique encore, je le tue, point barre. Tu crois l'avantage des moustiques? Waza, je ne connais pas l'avantage des moustiques, mais s'il te plaît, explique-moi. Voilà, comprends que tu n'es pas assez cultivé et que tu n'es pas humble pour me laisser dévoiler ma sagesse. Mais voilà. L'avantage des moustiques, c'est que quoi? Quand tu dors, les moustiques chantent souvent dans tes oreilles, non? Les moustiques chantent, Waza, continue un peu ta bêtise là. Voilà, tu ne t'es jamais demandé le pourquoi les moustiques chantent dans nos oreilles. Les moustiques chantent dans nos oreilles pour nous bercer, pour que nous ayons un sommeil paisible. Voilà l'avantage des moustiques. Waza, la vérité c'est que en fait tu ne connais même pas l'histoire, la réelle histoire des moustiques et les oreilles des gens. Depuis que tu peux agiter, Waza, il était une fois, le moustique et le tympan sont allés au champ. Ils sont allés chercher les noix. Au retour, le tympan a berné le moustique. Il allait se cacher là, dans tes oreilles. Et le moustique connaissait la destination. C'est pour ça que chaque nuit, il vient demander ici, là. Il demande à l'autre que ma part de noix est où. C'est ça la vraie histoire, Waza.
La vraie histoire, c'est que le tympan est ici là. Il a gardé les noix là-bas. Et le moustique veut récupérer sa part de noix au hasard. Ce n'est pas pour baisser les gens. Le moustique te baisse au hasard. Le moustique vient, je tape, je tue. Attends un peu, dis-moi. Tu as vu le tympan un jour avec les yeux. Après, tu dis que le tympan est le moustique. Donc le tympan marchait déjà. Ils sont allés voler les noix. Le tympan mange les noix. Waza, tu as dit que tu étais sage. Tu étais intelligent. Je t'ai dit alors que les moustiques qui viennent chanter dans tes oreilles là, ils veulent récupérer leur part de noix, Waza. Point barre. Il n'y a pas les noix dans mon oreille. Sauf si c'est dans ton oreille qu'il y a les noix. Il n'y a pas les noix dans mon oreille. Noix toi aussi. Ça, c'est le mensonge. Waza, pourquoi pour éviter les moustiques, on dort sous des moustiquaires un peu mieux? On dort sous les moustiquaires pour se protéger. De quoi? Des moustiques? Non, des souris. Parce qu'il y a les souris qui rongent les doigts, les souris vampires. Ce sont eux qu'on fuit. Pourquoi ça s'appelle moustiquaire et non moustisouricière ou alors souricière? Waouh, Waza! C'est un choix, non? De qui? Des gens qui ont fabriqué. C'est comment? Pourquoi alors on utilise la moustiquaire pour pêcher les poissons? Waza est vraiment, et tu dis que tu es intelligent, tu es sage, tu es humble. C'est pas avec la moustiquaire qu'on pêche les poissons, Waza. Ça s'appelle le filet. Dans mon village, on utilise la moustiquaire pour pêcher les poissons. Waza, ton village là, non. Toi et ton village là. Oui. Pardon, allez tous en mousse avec ça. Oui, toi aussi ne tue plus les moustiques. Je tue. Criminel. Je tue. Il chante, je tue. Il fait un quoi à côté de toi? Pas. Il ne rien. Oui, j'accepte. Intelligent, humble, machin, chouette, pas. Je tue les moustiques. Ça me pique, je tape fort.